à tous et à toutes, c'est Isog officiel ou Isog le barbare pour les anciens. Comment ça va les gars? En tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo irréelle, ça fait super longtemps qu'on en a pas fait une. Posé devant la caméra, sur son petit décor, en train de faire un truc assez coolasse. En tout cas je vous propose une vidéo comme vous avez vu avec le titre et la miniature. Suis-je un psychopathe? Vous pouvez faire le questionnaire avec vous, j'ai trouvé un truc assez sympathique. Je me suis pas spoil, mais vous pouvez le faire ensemble, je vous mets de toute façon tout ça en description, tout simplement. Mais avant de passer à la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton meilleur like et à mettre le code créateur Usog dans la boutique. Bien sûr, mets ton commentaire en lisant ton score pour voir si toi aussi t'es un psychopathe, un sociopathe ou une personne normale. En tout cas, les gars, nous, on va s'amuser, on va s'éclater et on va voir si moi, je suis un psychopathe. J'aurais très peur. Allez, les gars, en tout cas, très bien bavardage, c'est parti. Re, les gars, du coup, c'est bon, j'ai trouvé un site assez sympathique qui a des images et assez de questions pour fournir un maximum de détails. En tout cas, on va s'amuser de fou. Moi, j'ai hâte. En tout cas, moi, je suis accompagné de mon petit café. On boit un petit truc et on commence. Je rappelle que le lien est en description. Alors, avez-vous l'habitude d'utiliser vos charmes de manière superficielle, arrivé à vos fins? Alors, je sais pas du tout. Je pense que je... Ah, bah merde. Ok, donc, attention, nota bene, ne pas cliquer avant d'être sûr. Bon, je pensais qu'il y avait un bouton validé, mais en fait, non. J'ai dit modérément parce que je pense qu'on le fait un peu tous. Si on veut quelque chose, on va essayer d'apporter ce charme-là. Par exemple, pour un entretien, on va être une toute nouvelle personne, etc. Ou devant quelqu'un d'autre, on va être complètement une autre personne qu'avec tes potes, par exemple. Donc moi, je pense que oui, du coup, on l'utilise tous modérément, donc j'ai mis ça. Est-ce qu'avez-vous une estimation de soi grandiose exagérément élevée? Exagérément élevée, je dirais non. Mais en vrai, je vais me dire, ça me caractérise bien parce que c'est hyper important. Puis même avec tout le parcours que j'ai eu, toute l'expérience que j'ai acquise dans la vie, ou même en tant que youtubeur et entrepreneur, les gars, c'est qu'il faut avoir une estime de soi hyper grandiose parce que les autres autour vont vous juger forcément de ce que vous faites. À partir du moment où vous faites un créateur de contenu, donc un artiste, dessin, enfin des trucs comme ça, les gens vont vous mépriser, que ce soit les gens à la fac, que ce soit les profs, que ce soit des gens sur internet, que ce soit même la famille. Donc tout le monde va vous juger et du coup faut avoir une belle estime de soi, vraiment marcher en mode serein et en disant ce que je fais c'est grandiose, c'est super bien. Alors, avez-vous un besoin constant de stimulation? On va dire tout le monde a besoin de stimuler, quoi. Êtes-vous un menteur pathologique? Évidemment, toute vérité n'est pas bonne, donc il faut savoir avoir un juste milieu. Donc, est-ce que je suis un menteur pathologique? Non, franchement, non. Êtes-vous rusé et manipulateur? Alors, je suis rusé et je peux être manipulateur. Le problème, c'est que moi, je ne manipule pas les gens de façon malhonnête. Manipuler une personne n'est pas forcément quelque chose de mal. Par exemple, quelqu'un qui va vous endormir, vous faire du bien, il va manipuler votre cerveau, entre guillemets, bah, quand on fait de l'ASMR, ou même parce que je parle de l'ASMR, mais c'est surtout l'hypnose, pardon, qui va manipuler votre esprit, etc. C'est pareil. Donc oui, il y en a qui peuvent le faire. Moi, je sais que je peux le faire d'une certaine façon, mais jamais en mal. Alors, souffrez-vous d'un manque de remords ou de culpabilité? Alors moi, par exemple, ça ne me catégorise pas du tout parce que je suis hyper sensible. Je suis un barbare, mais vraiment qui a un cœur. Par exemple, je kiffe les animaux. Si je vois une vidéo d'un animal qui se fait tuer, franchement, ça me met vraiment pas bien. Je suis trop hyper sensible, donc vraiment, ça me caractérise pas le fait de manquer de remords. Par exemple, quand je fais une erreur aussi, je peux culpabiliser de fou. Et c'est vrai. Avez-vous un effet superficielle, réactivité émotionnelle? Si je comprends bien, c'est est-ce que mes émotions, je les simule? Pas du tout. Je peux éprouver beaucoup de colère, par exemple, contre quelqu'un, mais je sais me calmer. Je suis plus intelligent que ça. J'ai l'intelligence de calmer cette colère. Donc voilà, ça me caractérise pas du tout. Moi, j'ai beaucoup d'émotions. Êtes-vous insensible et manquez-vous d'empathie? Ah, c'était plutôt ça la question du coup tout à l'heure. Est-ce que si je vois mon pire ennemi au bord du gouffre en train de mourir, est-ce que je vais avoir de l'empathie pour lui? Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que je vais avoir de l'empathie ou est-ce que je vais le laisser mourir? Et ça, par contre, je sais pas du tout. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Dites-moi en commentaire. Si vous détestez la personne, il a fait une crasse énorme à, par exemple, quelqu'un de votre famille qui vous est cher. C'est pas une personne que vous aimez, vous l'avez toujours détesté. Si le mec est au bord du gouffre, il se tient comme ça, est-ce que vous le sauvez? Ça, c'est une vraie question. Dites-moi en commentaire, les gars, est-ce que vous sauveriez cette personne? Je suis en train de m'imaginer parce qu'il y a moyen que je fasse les deux. Si je le vois au bord du gouffre, je suis pas meurtrier. Par contre, si le mec est pauvre, qui a par exemple jamais cru en moi sur YouTube, qui m'a mis toutes les crasses, qui s'est moqué de moi, et que le mec il vient sonner à ma porte de ma villa, par exemple, qui me dit frérot, j'ai besoin d'argent, je lui dirais va te faire foutre. Je suis très rancunier comme personne. Très, très rancunier. Va te faire foutre, fallait y penser avant. Avez-vous un style de vie typé parasite? Vous vivez aux dépens de l'autre, un autre à l'image d'un parasite? Bah du coup non, pas du tout, parce que moi ce que j'essaye de faire, bon c'est compliqué, mais c'est vraiment tout faire par moi-même. Par exemple mes chiottes là, quand elles ont fui, j'ai voulu réparer par moi-même, c'est ce que j'ai fait. Quand une ampoule elle pète, j'y vais par moi-même. Non, vraiment je suis quelqu'un de débrouillard, enfin j'essaie de l'être, de dépendre de moins possible des autres. Avez-vous de mauvais contrôles comportementaux? Non, franchement comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui peut éprouver énormément de colère
pour une personne, mais je sais me calmer et je sais être civilisé. Vous considérez-vous comme libéré sexuellement? C'est quoi cette question? Je sais pas en quoi être libéré sexuellement, c'est dire si c'est psychopathe ou pas. Mais vas-y, je vais répondre. Comme je suis pas en couple, du coup la réponse c'est non, par définition. Comme 90% des mecs ici aujourd'hui, on est forcément pas libéré sexuellement, à part les gros porcs qui sont des gros charros. Mais par contre, répondre à la question de est-ce que je suis un détraqué sexuel qui va absolument baiser, donc qui va tout le temps en soirée, tout le temps en boîte, tout le temps aller voir des filles, non, vraiment pas. Surtout que moi je suis vraiment quelqu'un qui accorde une importance pour des relations sexuelles, c'est vraiment quelque chose d'intime pour moi, et qu'on a perdu cette notion d'intimité envers deux personnes et de confiance aussi. Je préfère vraiment aujourd'hui me préserver physiquement et donner mon corps, donc cette confiance, à une personne qui la mériterait vraiment, enfin qui me mériterait vraiment, et qui moi évidemment je mériterais cette personne en face de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup je mettrais cela me caractérise modérément. Avez-vous eu des problèmes de comportement durant votre enfance? Donc on va dire modérément, parce que quand j'étais petit j'aimais bien me battre avec les gens, tel un vrai barbare. Je me faisais toujours punir par la maîtresse parce que je me battais avec mes potes, mais en mode normal, tu vois, en mode boxe et tout, enfin c'était cool, c'était drôle, je comprenais pas pourquoi elle me punissait. Quoi me dire modérément, franchement c'était modéré. Avez-vous des objectifs réalistes sur le long terme? Franchement oui, pour moi futur sur YouTube c'est vraiment réaliste, donc j'espère vraiment être entrepreneur. De toute façon j'ai toujours voulu avoir une réussite financière etc depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être youtubeur etc. Du coup bah j'ai matché les deux, donc je me suis dit on va pouvoir être entrepreneur en plus en faisant des vidéos YouTube, qui ensuite pour moi j'ai d'autres objectifs qui avec cette entreprise, par exemple on va créer la marque de vêtements qui est une pré-marque de vêtements qui est aujourd'hui, faire pas mal de choses et vraiment grandir cette entreprise, mais sans vraiment être Jeff Bezos. C'est pas mon objectif d'être milliardaire, mon objectif c'est vraiment d'être productif, vous faire kiffer, me faire kiffer et ne plus avoir tous ces problèmes de la vie liés à l'argent. Êtes-vous une personne impulsive? On va dire modérément, oui et non. Impulsif, c'est-à-dire que si quelqu'un me fait chier et j'ai envie de lui mettre un coup de poing, je vais pas le faire, j'ai pas envie d'aller en prison, j'ai pas envie de prendre garde à vue, j'ai pas envie de faire ça. Par contre impulsif, si j'ai envie de quelque chose, bah je vais le faire. Par exemple si j'ai envie de faire cette vidéo, je vais le faire. Si j'ai envie d'acheter ça, c'est cher, bah je vais l'acheter. Êtes-vous une personne irresponsable? On va dire pareil, c'est pareil. Je suis responsable par exemple avec Athéna. Athéna, je la chouchoute, elle mange bien, c'est vraiment de la nourriture de qualité, elle boit tout le temps. Non, vraiment, tout je change la litière tout le temps. Tout ça, c'est bien. Irresponsable, je vis tout seul, je fais mes courses, je fais du sport, je paye mes factures. Donc oui, là, je suis responsable. Par contre, quand je vois l'image, oui, je fais tomber trop de choses, c'est trop chiant. Je fais tomber tout le temps des trucs. Mon verre, je l'ai fait tomber, j'ai cassé mon assiette hier, ça c'est chiant, tu vois. Du coup, je mets modérément. Avez-vous déjà refuser d'assumer la responsabilité de vos actes? Bah oui, on l'a déjà tous fait ça, non? Aujourd'hui, je serais plutôt du côté ne me caractérise pas, parce que c'est ça la maturité pour moi aussi, c'est d'assumer les actes qu'on fait. Il faut assumer. Voilà, j'ai fait ça, j'assume. Avez-vous déjà eu de multiples relations conjugales de courte durée? J'ai envie de dire oui, hein. Malheureusement. Jamais eu de chance dans ces termes-là, que ce soit dans l'adolescence ou ma première vie d'adulte. Donc multiples, ça dépend combien. Avez-vous des antécédents de délinquance durant votre enfance et adolescence? Je n'ai jamais été en garde à vue de toute ma vie. Je ne sais pas à quoi ressemble le lit là-bas. Je ne sais pas à quoi ressemble un poste de police avec les menottes. Oh, ça me caractérise pas. Avez-vous déjà été concerné pour une libération en liberté conditionnelle? Bah du coup non. Si vous êtes concerné par la criminalité, êtes-vous responsable de différents types de crimes? Crime non. Non non. Alors, je ne suis clairement pas un psychopathe. Ouais. Ah c'est cool. Bon bah du coup les gars, je suis pas psychopathe, ça fait plaisir. Par contre ce test, bon les questions étaient, ça va, ça allait. Ça serait bien qu'on en ait plus. Ouais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je vais en chercher un autre. Tiens allez. Ok les gars, j'ai trouvé un deuxième qui cette fois en fait va montrer un petit peu les pourcentages. La personne a des antécédents de comportement sexuel. En fait j'ai répondu juste avant les gars, non. La personne a un style social simple ou sans contrainte. En bref non, ça applique partiellement je dirais, parce que vivre avec moi c'est quand même quelque chose, non? Bah je suis quand même youtubeur, j'ai quand même des contraintes de ouf. J'ai ouais un train de vie de ouf. La personne a eu de nombreuses relations amoureuses sérieuses qui se sont soldées par un échec après peu de temps. Ouais, de ouf. La personne a enfreint de nombreux types de lois différents, et bah du coup j'ai même pas besoin de dire après. La personne a un besoin excessif de stimulation et sujette à l'ennui. Franchement, je dirais que ça m'applique très bien, parce que moi j'ai toujours besoin de faire quelque chose, sinon je m'ennuie. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, par exemple je regarder une série, ou alors faire YouTube, travailler, sinon je m'ennuie. C'est vrai, si je fais rien je m'ennuie, mais des fois j'en ai besoin. J'ai beaucoup pensé, et ça comme ça, pas d'ennui. La personne a un passé de cruauté envers les autres. Non, vraiment pas. Je suis pas cruel. Non, je suis très sympa comme mec. La personne se soustrait généralement à ses responsabilités et n'a de compte à rendre à personne dans sa vie. Bah, ça, franchement, ça pour moi, c'est vrai. J'ai de compte à rendre à personne. Personne. Allez tous vous faire foutre. C'est ça, ma devise. Vous êtes toujours là à tous me critiquer. C'est pas bien ce que tu fais sur la chaîne YouTube. Arrête YouTube. Tu fais trop de sport. C'est pas bien ce que tu fais pas assez de sport. C'est pas bien machin. Du coup, je mets partiellement. La personne a un sens grandiose de sa propre valeur. Ça, franchement, les gars. Ouais. Franchement, je sais ce que je vaux et c'est pour ça que je sais ce que je veux. Cette personne a souvent trompé, escroqué, manipulé les personnes. Non, vraiment pas.
pas. Tromper, jamais tromper un mec. Une meuf, pardon. La personne a l'habitude de blâmer les autres pour ses propres problèmes et n'accepte pas la responsabilité de ses propres actions. Les gens diraient oui, mais moi je dirais non. Ouais, ils rejettent toujours la faute sur quelqu'un et tout. Mais parce que c'est vrai, la plupart des trucs qui m'arrivent, c'est pas de ma faute. Mais quand c'est de ma faute, je le dis. Du coup, je dirais, s'applique partiellement. Mais après, c'est vrai que c'est jamais... J'ai beau le justifier, mais ça va, c'est jamais ma faute. La personne vit comme un parasite pour les autres, par exemple en empruntant de l'argent, qu'elle ne remboursera jamais. Quand j'emprunte de l'argent, je rembourse toujours. Sauf quand j'estime que le mec est un connard qui me doit de l'argent, je ne le rembourserai pas. Exemple tout con. Un pote va m'avancer de l'argent, il me dit ouais, je te prête et tout. Je lui rends. Un mec, par exemple, que je vais amener tout le temps en voiture. Il va jamais payer d'essence, il va toujours m'appeler. Moi, l'essence, ça coûte cher. Je dois faire un détour de 20 minutes, par exemple, tous les jours. Le mec ne me paye jamais. J'oublie ma carte pour un grec, je ne le payerai pas. Je ne le payerai pas. Parce que j'estime que lui doit me rendre de service. Parce que moi, je lui rends un service avec l'essence qui coûte super cher. Si il veut que je le rembourse, je lui envoie la facture de tous les trajets que je devais pas faire, qui s'avère bien plus élevé que la somme que j'ai empruntée pour manger mon kebab. Et là, on va rigoler. Est-ce que je suis un parasite pour les autres? Non. Par contre, quand les gens sont parasites avec moi, je deviens parasite aussi. La personne a un mauvais contrôle de son comportement et a du mal à contrôler ses impulsions, je dirais. Donc, je suis plus psychopathe que la moyenne de la population. Je suis à 50% psychopathe. Les caractéristiques antisociales, 13%. Donc oui, là, je suis vraiment très sociable. Il y en a quand ils sont psychopathes, c'est 100% de plus. Hein. Voilà. Bon, bref, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi vos scores. Combien de pourcentage vous êtes au-dessus de la moyenne ou en dessous, voire dans la moyenne. N'hésitez pas à mettre en commentaire. Franchement, je vais lire tout ça. Ça va être vraiment super cool. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera du coup, je pense, de l'ASMR. On reprend un style de vidéo normal et une vidéo ASMR par semaine. Et live et short tous les jours. Voilà et voilà où, donc du gaming. Ciao le chat, gros bisous et portez-vous bien. Ciao.